Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo. Et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour Vald. Ah. Notre cher Vald. Ça fait un petit temps quand même, hein. Ouais. Un il, petit, avait, hein. Il avait sorti des clips incroyables dernièrement. Ouais. Regarde-toi, Nunaki. Enfin, plein. Et ici, il est de retour avec Papouze. Ah. Un morceau que moi, j'ai pas trop aimé, je vous avoue. Oh. Même à la réécoute, hein. C'est sur une tribu, les Papouze, c'est ça? Non, c'est un rappeur, Papouze. Ah, ça, pardon. Un rappeur américain. Moi, je connaissais la tribu, là, des Papouze. Ok, mais ça, ok. Voilà. Bon, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Vous connaissez Papouze? Ah, un clip à la... Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Remix, j'ai goûté le couplet de Papouze. Un jour, j'ai fait la première partie de Papouze. J'ai même fait la première partie de Yoko Cap. Yoko Cap, la Poliakov en mignonnette, le Yoko Cap. Regarde personne, mais tu regardes seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Regarde personne, mais tu regardes seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Si tu veux, j'ai du feu, j'ai du xe, j'ai du queue, c'est débutant. Légumes, études, faut plus que juste faire du son. Sœur Alex, faire du sol. Si tu veux, j'ai le flow de la bouche d'un sandwich. Je ne suis pas du tout un apprenti. Les fesses rouges, je suis sûr qu'elle a senti. Je regarde tout, sauf à la cantine. Putain de Covid, c'est fou ce que j'ai mérité. 61 lots qui s'est fait anorexique. Faut que je reprenne des tacos, des ménages au Mexique. 10 balles au prix. 61 kilos? Quoi, épais, 61 kilos? Ouais, depuis le Covid. On dirait pas. Quoi, tu crois plus? Non, mais il a repris, à mon avis, il a repris de la masse entre temps. Ah ouais? Ouais, c'est pour 61. Ouais, en plus, il a l'air. Avec ce qu'il a sur le thorax, là. C'est quoi? Porter quelques kilos en plus, quoi. Dans le dos aussi, non? Ouais. Dirait un gilet pare-balles. Il a peut-être peur des papous. 10 balles au précis. 10 balles. Non, mais on voit qu'il a des bras quand même. 10 balles au génie. Seulement 10 pour ton pote départ. Hasta luego. Hasta luego. Adios. Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un ennemi. Moi, je suis plus qu'un humain. J'en suis un ennemi. Waouh. Remix, j'ai goûté le couplet de Papouze. Un jour, j'ai fait la première partie de Papouze. J'ai même fait la première partie de Yoko Cap. Yoko Cap, la Poliakov en mignonnette, le Yoko Cap. Regarde personne, mais tu regardes seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Regarde personne, mais tu regardes seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Si tu veux, j'ai du feu, j'ai du xe, j'ai du que c'est débutant. Légumes, études, faut plus que juste faire du son. Sœur Alex, faire du son. Si tu veux. Quand j'ai la méthode. M.E.T. et Choji, man. Gros sœur en Suisse avec méthode. M.E.T. et Choji, man. Des maxi Foshi, moi ça m'étonne. M.E.T. au 2N. Trophée. What? J'en ai trop fait, j'en ai pléthore. Tellement de flots, je les déborde. Je leur fais du mal, je les déforme. Et je leur écorre en plein essor. Ah ouais, bientôt l'album de K-pop. Wow. C'est le Delbor, c'est le désordre. Protège tes enfants comme ton trésor. Il reste du temps pour une Jagor. Je suis maxi touché, mais je fais genre. Tetchi, remix, j'ai goûté le couplet de Papouze. Un jour, j'ai fait la première partie de Papouze. J'ai même fait la première partie de Yoko Cap. Yoko Cap, la Poliakov en mignonnette. Regarde seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Regarde personne, mais tu regardes seulement le parcours. Et y'a pas besoin de pare soleil quand je vois le tien sale fou. Oui. Avec au début, non, mais. En fonction des. Ouais. Franchement, le morceau un peu ennuyeux en fait. Ouais, mais malgré tout, c'était. À la fin, ça prenait quoi. Il y a juste un truc oui. Que je trouve sympa, mais... la mélodie là. Moi pas trop, je veux dire. Ah, c'est pas l'instru. Non. Ça c'est l'inverse. Je sais pas, la flûte de Pan là, je crois. Ouais, c'est la flûte de Pan. Mais... C'est catchy, mais je pense qu'on peut s'enlacer rapidement quand même de ce truc là. Si ça n'allait pas trop quoi. Ça me rappelle le morceau de RK,
dans Neverland, il avait fait sur une instru pareil. Je viens chercher du liquide, j'ai 4 fois le vice à Johnny Depp. Bloc rempli de pisse, je viscère un cric, c'est, je lui dis bon week-end. J'ai perdu la frappe dans mon jogging, rabat, je tape un move sur Billie Jean. J'ai pété un platine, bâtard, et je vais faire croquer tous les miens avant les tiens. C'est très catchy, c'est très bumpy, directement on est dedans quoi. Mais je sais pas, c'est une formule pour moi qui peut s'avérer rapidement répétitive en fait. Et alors le problème c'est que bah, comme pour moi la prestation vocale n'est pas intéressante, bah du coup je vais vite skip le morceau quoi. Par contre le clip, bon il a décidé de faire une pause sur les clips à budget. Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être pas non plus... Il a décidé de faire un truc voilà. Calme, relax... C'est pas non plus une nécessité de chaque fois avoir un... Allez, une vidéo, allez, top quoi. Hein. Non, clairement. Bien sûr, hein, faut pas non plus. De toute façon, je le voyais pas faire un clip à gros budget pour un morceau pareil quoi. Ça aurait pas du tout collé, enfin, je sais pas. Là, on sent que c'est juste un petit morceau délire sympa, voilà. Mais on sent que c'est pas un gros tube. Mais Papouce, il était dans le clip? Bah, non. Non? Bah, non, Papouce, c'est bon. Quoi, il est mort? Mais non, il était très connu avant, tu vois, mais maintenant, bon. Ouais, mais il a l'air d'être fier quand même de. Bah ouais. Il a fait une chanson. Papouz est un grand artiste. Hein. Donc il aurait pu l'inviter. Mais non, Papouz reste quand même plus connu mondialement que Vald. Oui, dans mais la globalité. Oui. Parce qu'il a tellement l'air d'être fier d'avoir fait la première partie de Papouz. Mais il est fier parce que Papouz est un très grand artiste, très connu, quoi, tu vois. Ouais, mais je pensais qu'il y avait. Quand Vald n'était pas connu, qu'il a fait ça. Ok, à ses débuts. Pour lui, c'était. Voilà, c'était en 2013, c'est ça, hein. En 2013. Ah ouais, voilà, ouais, le c'est 13 décembre en fait, 2013. Voilà, ouais. Ce qu'on voit là, c'est l'affiche. D'accord. Pour laquelle il a fait première partie, parce que tu as vu, il a mis Vald Paris. Et regarde sa tête en plus, t'as vu, à Vald. On voit que c'était avant, quoi. On dirait Stan jeune. Dans le clip d'Eminem. Ah oui, bah, il était vraiment jeune, là, hein, dès en 2013. Ce qui conclura la vidéo sur Vald. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao! Remix, j'ai goûté le couplet de Papouz, Batchou, Swing It Babe. Un jour, j'ai fait la première partie de Papouz, ok. J'ai même fait la première partie de Yoko Cap, Yoko Cap. La Poliakov en mignonnette, le Joko Crap.